l'école de nos grands-parents. Il faut bien comprendre que depuis plusieurs décennies, sous l'influence de l'empire européen dictatorial qui se met en place petit à petit, tous ces services publics sont menacés. Donc nous sommes venus aujourd'hui affirmer notre soutien aux soignants qui se sont dévoués avec autant de courage et de bienveillance et aujourd'hui maltraités à un point inimaginable. Nous sommes venus leur dire que nous les soutenons. Nous sommes venus aussi affirmer notre mécontentement et notre exaspération de voir à quel point tous les services publics, aujourd'hui c'est l'hôpital, on sait dans quel état de dégradation il se trouve, mais bientôt ce sera l'école et tous les établissements publics, à quel point l'Empire européen nous propose, il nous amène inexorablement vers une privatisation de tous ces biens publics. C'est inacceptable. Il va falloir continuer à garder notre pugnacité et notre mobilisation pour faire en sorte que les populations puissent avoir leur mot à dire, à choisir leur destinée et à avoir des établissements publics au service des populations et non pas pour engraisser des actionnaires qui ne pensent qu'au profit immédiat. N'oublions pas, comme le dit le slogan bien connu, que quand tout sera privatisé, nous serons privés de tout. Et ce sera, il faudra passer à la caisse, comme on passe au parking, pour tous les services publics qui aujourd'hui sont notre propriété. Il va falloir rester vigilant et actif là-dessus. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'il va y avoir des prochaines échéances électorales. Chacun a sa vision des choses, sur l'intérêt de voter ou pas voter. Chacun fait comme il veut. Mais ce à quoi il va falloir s'astreindre et bien comprendre, c'est qu'il va falloir soutenir un ou des candidats qui permettent, qui envisagent de redonner le pouvoir aux populations pour qu'elles puissent choisir leur destinée, notamment à travers le fait de mettre dans une nouvelle constitution le référendum d'initiative citoyenne pour qu'on puisse proposer des choix sur des enjeux majeurs qui nous concernent de près, et aussi sur réécrire une constitution où on va évacuer tous les lobbies et les forces occultes vendues, les gouvernements corrompus qui aujourd'hui ne pensent qu'à servir le monde des banques et des multinationales. Il va falloir en finir avec ça d'une manière ou d'une autre, sinon ce sera le chaos social. Restons vigilants et mobilisés. Merci.